Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est votre vidéo préférée de la semaine, tout au moins sur ma chaîne, le journal créatif. Nous sommes au numéro 68. Toujours aussi heureuse de faire cette vidéo, j'espère que ça vous plaît toujours autant, voilà. Je profite d'abord, comme d'habitude, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui se sont abonnés sur ma chaîne. Merci à vous. Alors, déjà, je le dis, 2 heures, ça va être dur aujourd'hui, je pense. On verra bien. Mais, ouais, je pense que ça va être beaucoup moins de 2 heures, j'en suis désolée. J'ai eu une petite semaine. Bon, comme d'habitude, hein, on a des choses à faire dans la vie. Et en plus, j'ai pas été vraiment en grande forme cette semaine. Donc, voilà. Je vous ai expliqué dans ma vidéo d'hier, je crois que vous l'avez vu. Oui, je crois que c'est ça. Là où je répondais à un tag, je vous disais, bon, il m'a pris une zine, comme on dit par chez moi, de bouger tous mes meubles dans la pièce par là, et je l'ai faite toute seule, je n'ai pas voulu le dire à Chouchou, mais moi, c'est le genre de choses que je ne peux pas faire, parce que je suis très vite fatiguée, j'ai mal partout après, là, j'ai eu mal partout, mais un quart d'heure après, hein, j'étais complètement cassée. Et j'ai été aussi un petit peu patraque parce qu'on a fait nos vaccins. Donc, les vaccins, c'est un petit peu... Enfin, cette semaine, on a eu le vaccin du Covid. La semaine dernière, on a eu le vaccin de la grippe. Et du coup, ça m'a mis un petit peu... Pas patraque... ça me fatigue un petit peu, voilà. Mais bon, on verra bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon journal créatif, je réexplique en 2 mots ce que c'est. Je vous montre tout ce que j'ai pu faire sur la semaine, que ce soit en broderie, en tricot, en crochet. Et quand je fais d'autres loisirs, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais bon, ça m'arrive, je peux vous montrer aussi du diamond painting ou du coloriage. Voilà. Mais bon, en ce moment, je n'en fais pas. Alors, comment je... Oui, voilà, je cherchais par où je devais commencer. Vous savez que je tire au sort avec la roue les ouvrages que je vais broder dans la semaine. Sauf que j'ai des broderies, entre parenthèses, des broderies obligatoires. Ce que j'appelle obligatoire, c'est-à-dire c'est mes duos, trios, voilà. C'est les broderies que je fais avec des étapes données, ou avec un nombre de croix par semaine qu'on se donne, voilà. Donc, on appelle ça des obligatoires, mais voilà, si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas, puis c'est tout. Et donc, je tire au sort ensuite quelques broderies pour faire dans la semaine également. Et dans ces tirages, il y a l'achat ED du mercredi. Voilà, donc l'achat ED du mercredi, ce jour-là, je ne fais que ça. Je choisis un de mes achats ED que je tire au sort également et je brode ça toute la journée. Ensuite, j'ai ma broderie du lundi. Ça, c'est Fifi, vous le savez. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon petit pot de colle. Donc oui, la broderie du lundi, c'est une broderie, alors soit que c'est une broderie qui est prête à finir, voilà, il reste pas beaucoup pour terminer, ou soit que c'est une broderie
que je n'ai pas brodé depuis un moment. Voilà, donc je le fais pour l'avancer un bon coup. Voilà, donc ça c'est ma broderie du lundi. Et ben, le reste du temps, reste du temps, ben, je fais mes broderies, donc mes obligatoires ou celles que j'ai tirées au sort. Le dimanche, maintenant, j'ai fait un petit changement. Je consacre le dimanche à mes broderies Lily Point. Voilà. Donc, oh là là, ça se lève de partout. Ouais, le dimanche, je fais mon Lily Point. Enfin, mes Lily Point, puisque j'en ai deux en cours. Parce que ce sont des broderies qui sont faciles à enfin oui, facile à faire, pas trop grande, et que je peux faire pendant que je fais le montage de la vidéo. Et même voilà. Donc le dimanche maintenant, c'est les broderies Lily Point. Donc il me reste quand même quelques jours pour faire les autres broderies, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, j'en ai déjà qui tournent. Non? Oui, j'en ai perdu un au passage. Alors, pareil, hein, ceux qui se demandent ce que je suis en train de dire, il y a Fifi, ma petite chatte, et il y a Pacha, qui est un bichon maltais, qui est un petit casse-bonbon, tout mignon. Et j'ai mon petit pépère, Jerry, mon Yorkshire. Donc, de temps en temps, vous le savez, mais bon, pour les nouveaux, il y aura peut-être des pauses pays-pays. Voilà. Alors, en plus des broderies, je me fais un petit challenge toutes les semaines. Je me le fais pour moi-même, hein, mais je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui commencent à le faire également. Je me prévois de faire au minimum 3000 croix par semaine. Voilà. Si j'y arrive, c'est bien. Si je suis bien au-dessus, c'est très bien. Et si je suis en dessous, bah, c'est pas grave. Voilà. Et donc, voilà. Je crois avoir fait le tour. Et puis après, il y aura mes tricots, tricots crochets. Donc ça, vous le verrez à la fin de la vidéo. Mais c'est jamais très très long, ça. Non. Alors, il n'y a pas d'achat cette semaine. Non, bah, ce mois-ci, il n'y en a pas trop. Il n'y a pas d'achat. Tout à l'heure, je vous montrerai les vidéos YouTube que j'ai regardées. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine. J'en ai regardé un peu moins aussi. Je vous dis, ça a été une petite semaine. Hein. J'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux. Et puis, de toute façon, j'ai aussi, peut-être que vous avez vu les photos, j'ai pris un petit moment aussi pour faire mon sapin de Noël, déjà. C'est la première fois que je le fais si tôt. J'avais envie. Il y a un ventre qui gargouille derrière moi. ouais, donc j'ai fait aussi mon sapin de Noël, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà, puis les courses, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire avant? Est-ce que je l'ai marqué? Ou je me fais des petits mémos, hein, parce que des fois, ma tête de poisson rouge. Non, je n'ai pas marqué, mais j'avais un truc à vous dire. Oui, pensez à regarder, à aller voir un petit peu en arrière la vidéo du tirage au sort pour les aimants à aiguilles de Fifi. Voilà. Tout le monde ne m'a pas encore répondu. Mais arrête de grogner! Je sais pas, il grogne. Mais il m'en manque un, là, je sais pas où il est passé. Ah, t'es là, Pacha, mets-toi là. Tu le laisses dormir. Voilà.
Il veut toujours prendre la place à Jerry ou alors se mettre avec Jerry. Mais Jerry, il n'est pas content. Un petit vieux, il a ses habitudes. Oui, donc pensez à aller regarder la vidéo. Allez, on va attaquer? On attaque. Alors, dans les obligatoires, comme d'habitude, il y a le sampler 124 que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Il y a le Black Rose de All Forest que je fais en duo avec Letty des Loisirs de Letty. Le Star Dragon que je fais également avec Letty et c'est également un All Forest. Le Sampler 251. Alors ça, c'est un sale que j'ai mis en route le 12 novembre, le jour de mon anniversaire. Donc c'est le sale anniversaire. Et donc ça, on est plusieurs à le faire. Mon duo Lily Point Chat que je fais avec Céline. On fait toutes les deux un Lily Point, mais sur le thème du chat. Mais on n'a pas pris le même modèle. Je fais un trio avec un HAED, le hibou du savoir. Je le dis en français parce qu'en anglais, je ne le retiens pas. Je le fais avec Ludovic et avec Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. Pour les obligatoires, c'est tout. J'ai un obligatoire à moi, tout seul. parce que c'est un Lily Point sur le thème de l'infirmière. Je dis que c'est un obligatoire parce que ça, c'est une broderie que je veux offrir à mon infirmière et il faut que je l'ai absolument terminée au plus tard, entre le 15 et le 20 décembre, mais plus près du 15 quand même. Donc là, on va dire qu'il me reste un petit mois pour le finir, même pas 3 semaines. Bon, ça devrait aller normalement, j'espère. Et ensuite, le tirage au sort avec les roues. J'ai eu pour le HAED du mercredi. Ah, le mince, je ne l'ai pas sorti. Ah, que je suis bête. Je savais que j'avais oublié de prendre une broderie. J'irai la chercher juste après. Le HAED du mercredi. Attendez, je suis où? Pourquoi je l'ai... Ah non, 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 c'est bon, autant pour moi, pardon. Alors, j'avais pour le HAED du mercredi, voilà, excusez-moi, je vais y arriver, c'était mon HAED du paysage. Pareil, si j'y pense, je vous remettrai les noms exacts hein, des HAED, mais comme c'est en anglais, moi, je ne retiens pas. Et ensuite, donc tirage au sort, j'ai le Bouddha de poussière d'étoiles. Il y avait ma maison météo, c'est un sale que j'organise sur mon groupe. Le tigre de l'UKS, le hibou de Novala. Pareil, je ne retiens pas le nom parce que c'est un nom russe, je crois. Mais bon, c'est un hibou, c'est une broderie qu'une de mes abonnées m'avait offert. Le colibri de poussière d'étoiles et le patchwork sampler que l'on fait avec le gang des Québécoises. Au début, on devait faire une dizaine de carrés pour 4 mois, mais on a tout ou presque tout un peu, on est tout un peu parti en vrille. Donc maintenant, on fait comme on veut. Moi d'ailleurs, ça fait un petit moment hein, que je n'y avais pas touché. Donc voilà, les 10 cases, elles sont pas du tout faites. je pense que là, je vous ai tout dit. Oui. Oui. Alors. On va commencer. Alors, attendez, je vais essayer de vous les remettre dans l'ordre avant. Comme ça, on va avoir de...
Alors, dans celles que je vous ai dit, il y en a que j'ai pas faites. Voilà. Il y en a que j'ai pas faites et il y en a que j'ai fait qui n'étaient pas prévues. Voilà, on va se remettre dans l'ordre. Normalement, ça doit être bon. Alors, je vous ai dit, le dimanche, c'est Lily Point maintenant. Alors, mon duo avec Céline. Voilà, donc moi, je fais celui-ci, ma ronron thérapie. Voilà, je vous mets la photo de celui de Céline. Alors, Céline, cette semaine, n'a pas pu broder. Là, elle vient de changer de travail et du coup, bah, elle était occupée avec son nouveau travail. Ça se comprend très bien. Il y a quand même des priorités dans la vie. Donc, elle n'avait pas brodé. Mais je vais quand même vous mettre la photo de là où elle en était. Et je vous montre, moi, le mien. Voilà. Alors, là en bas, vous voyez, bon, c'est brodé, hein, mais... Donc, voilà où j'en suis. Donc, le ronron est fini d'être brodé. J'ai fait une première patoune, ici. Là, il me reste juste le mot ma, M-A, à faire. Et là, il me reste trois patounes. Ouais, trois patounes. Et un petit trait ici, un petit trait là, et finir le chat. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose à faire, donc c'est chouette. Mais j'aime vraiment, j'aime toujours autant ce modèle. Donc il est fait sur une étamine 12.6 fils en Vichy gris. Voilà. Et j'aime beaucoup le choix que j'ai eu pour ma toile. Donc là, je sais pas. Bon, je sais pas si ça sera fini la semaine prochaine. Non, je pense pas. Mais je vous avais dit, hein, pour la fin de l'année, ça c'est sûr. Hein. Même bien avant, elle sera finie. Je pense que d'ici 15 jours, bon, elle devrait être finie. Je ne sais pas pour Céline. Mais je pense que moi, elle devrait être terminée d'ici 15 jours. Ça en fera une de moins. On va mettre là. Donc, dimanche. Alors, oui, celle-là, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait plus ou moins 350 croix. Alors, quand je dis plus ou moins, c'est parce que... ce n'est pas sur mes applications, soit Pattern Keeper ou soit Cross Stitch Saga. C'est que là, je travaille sur papier. Ici. Donc, ça, c'est... cherche l'image. La voici. Donc, c'est mon Lily Point pour mon infirmière. Voilà. Et chouette. Et par la suite, bon, pas tout de suite, hein, mais par la suite, je ferai peut-être la même version, mais pour mon médecin. Parce que vous voyez, j'ai aussi la grille pour rajouter médecin. Voilà. Vous avez possibilité aussi de le faire avec aide-soignante. Alors, par contre, ce n'est pas dans... c'est pas dans la grille, dans la pochette. Hein. Il y a un... alors, j'ai... je sais sur quoi... expliquer sur la grille, oui, vous pourrez le télécharger gratuitement. Non, vous pouvez télécharger gratuitement l'additif médecin ou aide-soignante sur le site donc www.lily.com/pdf-gratuit.html. Voilà, mais de toute façon, si vous avez la grille, ce sera marqué ici en bas. Donc moi j'ai déjà téléchargé, bon, j'ai téléchargé les deux quand même, hein, malgré que aide-soignante, j'en ai pas.
Voilà. Donc je pense que par la suite, je ferai pour mon médecin. Je verrai. Mais bon, pas tout de suite. Parce que j'aime pas faire deux fois la même broderie. Donc je vais laisser passer un petit peu de temps avant de le faire. Et je le ferai par la suite. Et là, bon, là, il n'y aura pas d'objectif ni rien. Je le ferai à mon rythme. Et voilà. Donc, j'en suis là. Voilà. Alors, que je vous explique. Bon, là, ça, il n'y a pas de souci, hein. Là, c'est les petits cachets, la petite gélule, le petit bip bip là. Et j'ai commencé le calot. Comment vous dire? Je savais que le calot, j'allais galérer dessus. J'avais commencé donc là, vous voyez ici. Puis je me suis dit, ben, je vais faire tout le tour. Comme ça, ben, j'aurais plus qu'à remplir. Là, il y a une croix. Vous voyez, j'ai même commencé. Je vais faire la croix en rouge et puis comme ça, j'ai plus qu'à remplir le blanc. Ce sera plus facile. Ouais. C'est sans savoir que j'allais me planter sur une croix, mais où je n'en sais rien. bon, là, vous avez vu, j'ai démonté. J'étais arrivée au bout. Jusqu'au bout, hein. Donc j'avais fait tout mon tour. J'étais arrivée au bout. Y a un décalage. Au lieu que ça fasse ça fait ça. Et puis je regarde, je compte, je fais mes mains, j'ai en plus, il me manque, j'ai fait un décalage, mais comment? Pas d'une croix. J'ai, si vous voulez, moi je brode sur deux fils. Et donc j'ai un décalage d'un fil. Alors j'ai pas trouvé, pour l'instant j'ai pas trouvé. Donc du coup j'ai laissé comme ça. Et je me suis dit, en attendant, je vais faire la croix rouge au milieu. Donc la croix rouge c'est ça, vous voyez? C'est un rond rouge et là à l'intérieur c'est pas brodé. Je fais, j'étais à la moitié. Hein. Et j'arrive, j'y mets main. Alors ça doit pas toucher, hein, là. Il y a un écart de 1, 2, 3 ou 4. Voilà, il doit y avoir un espace de 3 ou 4 croix. Et j'arrive là, je touche le blanc. Je sais, c'est pas possible. Je savais que le calot, ça allait me prendre la tête, mais je le savais. Donc j'ai redémonté tout le rouge que j'ai fait. Voilà, donc j'en avais fait la moitié, j'ai tout démonté. Là j'ai voulu recommencer, puis j'ai dit bon, allez, pause, c'est bon, tu verras ça dans la semaine. Mais j'ai toujours pas trouvé ma demi-ligne, on va dire, où est l'erreur. Donc là, ce que je vais faire. Je vais refaire mon rouge, mais j'ai peur de faire mon rouge et que, bon, comme il y a une erreur là quelque part, alors j'hésite. Donc, soit que je fais mon rond rouge ou soit que j'y vais là, comme ça, avec le blanc, je vais avancer et je vais tomber sur mon erreur, c'est sûr. Donc, voilà. Et du coup, je démontrais au fur et à mesure. Pour savoir où j'en suis. Donc voilà, je savais que le calot ça allait pas me plaire, mais bon. Mais sinon, à part ça, très sympa à broder. J'aime beaucoup le résultat aussi. C'est vraiment chouette. Mais j'ai hâte qu'il se termine hein, quand même. Là, de toute façon, une fois que le calot va être fait,
C'est la partie la plus grosse, voyez, le calot. C'est la partie la plus grosse à faire, la plus casse-pied. Voilà, donc dès que j'ai fini tout le haut, là, hop, après, ben, il me restera le thermomètre, la seringue, et puis il sera plus que des mots. Voilà, donc ça ira. Une fois que je serai sortie du calot, après, ça ira. Alors, j'hésite quand même à tout démonter, du coup. Là, démonter tout ça avant, je sais pas. Bon, je verrai bien. De toute façon, là, je vais le faire demain. Je verrai, mais celle-là, je la ferai demain après-midi parce que je vais pas la faire pendant que je monte la vidéo. Nanana, je ferai l'autre pendant que je monte la vidéo, celle des chats, mais non, non, pas celle-là pendant que je monte la vidéo. Hein. Surtout pendant que je fais le calot. Hein. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé cette broderie. Je remercie encore mon abonné qui m'a offert la grille. Voilà. C'est une grille à elle qu'elle m'a offerte. Elle l'avait déjà brodée. Et elle m'avait offert gentiment la grille. Donc je la remercie encore beaucoup si tu passes par là. Alors, la Lily Point infirmière. Alors, j'ai marqué 250 croix, mais j'ai fait plus parce que je l'ai fait en deux fois. Et je... Où est-ce que j'ai mis? Ah là. 150. Ouais, c'est ça. C'est... Alors, attendez. J'ai fait 150 en plus. Ouais, voilà. Voilà. C'est bon. Alors, les Lily Points, c'est vu. Ensuite, mon hibou. Alors, la broderie du lundi, à la base, je voulais faire le colibri de poussière d'étoiles. Et j'ai changé d'avis en cours de route. J'ai voulu faire mon hibou parce que lui il n'était pas avancé beaucoup. Du coup j'ai dit allez, je vais le faire. Voilà, c'est Nova Sloboda. Là, voici. Donc c'est celui que une abonnée m'a offert. Voilà. Oui, j'ai des gentils abonnés qui m'offrent des grilles. Là, c'était un kit. Donc c'est Naïda 16. C'est Naïda 16 qui est imprimé. Et alors les fils, je ne sais toujours pas en quoi ils sont. Mais ça n'a rien à voir avec les DMC ou les fils chinois ou quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas si je vais bien savoir vous montrer à l'écran. Mais alors, ils sont d'une douceur incroyable. Mais ils sont très fins. Et alors, je ne pense pas que vous arriverez bien à vous voir. Si, peut-être. Voyez. Alors, attendez, j'essaye d'attraper un fil pour vous le montrer. Voilà. Sont tellement fins, mais quand comme c'est sur du, donc je le brode sur du en 2-2, hein, bien sûr. Mais voilà, alors est-ce que vous allez savoir le voir? Regardez-moi ça, on dirait un fil à coudre, mais vraiment très très fin, un tout petit peu poilu, léger, hein. Mais vraiment très très fin, mais d'une douceur. Je sais pas c'est quoi comme fil du tout. C'est la première fois que je les ai sur un kit, mais ils sont vraiment très très doux, très, et
même très facile à broder, il n'y a aucun problème. Ils ne font pas plus de nœuds que les autres, hein. Mais de toute façon, pour pas que ça fasse trop de nœuds, il faut jamais prendre des grandes aiguillées. Voilà. Et vous voyez, regardez ça. Comment ils sont beaux. Voyez. Ils sont vraiment très beaux. Hop. Et voilà, donc j'ai avancé. Je sais plus combien j'ai fait. Ouais, c'est plus ou moins 750 croix j'ai fait. Donc voilà où j'en suis. Et vous voyez, la toile est imprimée en dégradé. C'est vraiment chouette. C'est bien hein, pour un hibou d'être chouette. Donc là, j'ai commencé une fleur. Même au toucher, hein, c'est vraiment très très doux, même au toucher quand c'est brodé. Oui. Bon, très sympa. Alors là, je suis ici. Voilà, je suis en train de broder là, cette partie-là. Non, mais vraiment très très bien. Merci encore mon abonné aussi pour ce joli cadeau. Alors par contre celle-là, si je pouvais, je vais peut-être essayer de d'envoyer un message à la marque parce que j'aimerais bien l'avoir en PDF, tout au moins. En saga, ce serait top. Mais si je pouvais l'avoir en PDF, ce serait vraiment tip top. Parce que là, du coup, c'est rare que je fais ça, mais je griffonne sur la grille d'origine, mais au crayon gris, donc je pourrais gommer. Mais vous voyez, regardez, il faut quand même être, quand même bien bien regarder pour pas se planter. C'est pour ça que j'aimerais bien le trouver en PDF. Je vais essayer de. Parce que celui-là, il vient de la maison du canevas. Je vais peut-être d'abord demander à la maison du canevas s'ils savent comment je pourrais l'avoir en PDF. Et sinon, j'enverrai un message à la marque. On verra bien. Mais il est très sympa à faire. Il faudrait que je m'y mette un peu plus dessus pour bien bien l'avancer. Ensuite, nous sommes là. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'était dimanche et lundi. Mardi, c'était mon spécial duo avec Letty, le loisir de Letty. Voilà, j'ai fait les deux broderies que je fais. Comment? Que je fais avec elle. Alors, je vous remontre les images là à l'écran. Hein, j'aurais dû préparer. Ça, c'est toujours moi. J'oublie toujours de préparer à l'avance. J'ai tellement de grilles. Il me faudrait 10 vies pour les faire. Là, voilà. Donc ça, c'est un hall forest. De toute façon, on fait deux hall forest ensemble. Et donc, voilà lequel je suis en train de faire. Donc, le Star Dragon. Voilà. Il est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je le fais avec les fils DMC. Je suis sur une toile de lin, j'ai encore oublié le nom, hein, mais c'est du 16 fils, voilà. Et voilà où j'en suis. J'ai avancé le dragon. Donc là, dans la semaine dernière, j'avais fait la tête, enfin, il y avait la fleur. La fleur n'était pas finie, je crois.
Je sais plus si j'avais fini la fleur la semaine dernière. Non, je crois pas. Je sais plus. Bah, de toute façon, je vous aurais mis la photo de l'avancée si ça a pas bugué. Et là, voilà, j'ai fait tout ça. Donc là, j'en suis. Oui, là, il y a encore une partie qui va être brodée à son cou. Voilà, ici. Et là, j'arrive à la patte. Voilà, c'est le haut de la patte, ici, la première patte. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup le faire. Il est super chouette. Il est tip-top. Est-ce que j'ai la photo là de Letty? Tout, 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 tout. Oui. Ah oui, elle est un peu plus haute. Donc on fait le voilà. Donc on n'a pas commencé toutes les deux au même endroit. Elle a commencé en haut à gauche. Voilà. Donc voilà où elle en est. Et moi, j'ai commencé par le milieu. Là, on est à 2150 croix en tout de brodé. On est à 6,50%. Et on brode 300 croix par semaine. Pour l'instant, bon, ça va. Mais c'est vrai que quand on est dessus, on a envie de continuer. Bon, pour l'instant, on va laisser passer le reste de l'année et après on verra si on augmente ou pas. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Ensuite, non, pas celle-là. Oui, c'est celle-là. Ici, donc toujours un duo avec Letty. Hop. Et là, c'est. Oui, non, je n'ai pas la photo là, donc je vais vous la montrer là. C'est. Le Black Rose de All Forest. Voilà, c'est celle-ci. Il est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Et j'aurais cru qu'il aurait été plus compliqué à broder. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais non. Moi, pour l'instant, ça va. Donc, voilà où j'en suis. Bon, ma toile, je ne sais pas ce qu'elle a, ma toile. Elle veut... je pense que je vais, si elle continue, je vais le mettre sur un tambour rond. Parce que là, sur mon cuisse-nappe, il n'y a pas moyen qu'elle se mette droite. Elle est toujours bancale. Donc, excusez-moi, vous le voyez un petit peu bancale. Donc voilà où j'en suis. Donc j'en suis sur le portail du château, de la cathédrale. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Mais vraiment tip top. Alors je le brode avec un fil Attali. C'est le fil de couleur onyx, donc ce sont des fils teintes émaux. C'est une boutique française elle teint ses fils elle-même. Et ils sont vraiment tip-top. Enfin, cette couleur-là que j'ai choisie, j'aime vraiment beaucoup. J'avais un petit peu peur quand je les ai reçus. Je m'étais dit, oh tiens, mais non, le résultat est vraiment top. J'aime beaucoup. Pareil. Toile étamine, 16 fils. Quelle couleur? Je ne sais plus. J'arrive pas à retenir. Alors, il y a des choses comme ça que j'arrive pas à retenir. Alors, je l'ai marqué dans mon carnet.
Bon, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, là. Là, Newcastle Seagate Vintage Dune. Donc, hein, 16 fils. Voilà. Ah, ben si, je l'ai, le Star Dragon. C'est un lin French Lace Permine 16 fils. Voilà. Je vais laisser ouvert, comme ça. Mais j'aime vraiment beaucoup. Alors là, j'ai fait 450 croix. Je suis à 1560. Donc j'ai fait un peu moins de croix que Letty. Elle en est à... Voilà. Elle en est à 2000. Elle a fait 2000. Bon, j'en ai plus que 440 hein, pour la rattraper. Hein. Voilà. Donc, on n'a pas commencé au même endroit non plus. Voilà. Mais les roses sont très très belles. Donc elle utilise deux couleurs. Pour les roses, je ne sais plus si elle utilise un DMC mouliné coton ou si elle utilise un fil étoile. Mais non, je crois que c'est un mouliné coton, je crois. Oui. Mais voilà. Donc, vraiment tip top aussi pour elle. Donc, là, moi, je suis à 4,28%. Mais bon, je vais la rattraper, hein. Je vais te rattraper. Ça ne voulait pas tenir. Ensuite. Donc, ces deux-là, c'est fait. Je vous les ai montrés. Là, je vous montre après. Donc, je vous montre celui-ci. Alors, celui-ci n'était pas prévu. Il n'était pas prévu. Mais depuis que je l'avais commencé, je n'avais pas encore beaucoup avancé dessus. Donc, j'ai dit, je vais le sortir, hein, le petit malheureux, la petite malheureuse, puisque c'est une broderie, c'est féminin. Et ça n'a pas l'air, mais c'est long, très long à faire. Alors, le voilà. C'est très, très long à faire. C'est ce modèle-là. Voilà, c'est le cœur aquarelle. Je l'avais vu sur la chaîne de... Oh, j'ai oublié. Oh, j'en ai marre de cette... Oh. Poisson rouge. Attendez, je vais vous le dire. Non, parce que c'est l'aiguille, je crois, de... Alors, je vais trouver, hein. Ne vous inquiétez pas. Je crois que c'est l'aiguille. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis en plus, je suis abonnée à plein de chaînes. Enfin, je fais un peu. Ah, voilà. Donc, c'est l'aiguille de Sandrine. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas vu de... Ah, mais non, il n'y a pas une nouvelle vidéo. C'est pour ça que je me disais, j'ai rien vu passer sur sa chaîne. Mais non, sa dernière vidéo date d'il y a 2 mois. J'espère qu'elle va bien. Donc, voilà, je voulais montrer. Donc, c'était sur sa chaîne à elle que j'avais vu cette broderie. J'étais tombée en amour dessus. Mais c'est un amour... Comment on dit? Sadique. Voilà ce que j'ai fait lundi. Alors, il n'y a pas grand-chose hein, de fait déjà. Mais
pas lundi, ça je l'ai fait jeudi. Mais c'est, ça n'a pas l'air, mais c'est du costaud. Pourquoi? Parce que vous avez de la demi-croix, vous avez de la croix, vous avez du point arrière, mais ça ne pousse pas le vis jusque-là. Vous avez de la demi-croix en un fil, de la demi-croix en deux fils. Et des fois, c'est la même pour la même couleur. Et des fois, pour une couleur, vous avez une demi-croix, un fil, une demi-croix, deux fils et une croix. Donc, c'est quand même assez costaud à faire. Il faut être bien dessus. Heureusement, celui-là, je le fais avec mon application Cross Stitch Saga. Avec Pattern Keeper, ce serait très compliqué à faire. Donc, je fais avec Cross Stitch Saga. Parce que là, ben, moi, je peux bien suivre. Et niveau point arrière, il va y en avoir, mais une. Je le savais, ça. Hein. Il va y en avoir une tapée. Une tapée de point arrière. Ce qui fait que je me suis dit, je vais le faire au fur et à mesure, le point arrière. Là, il n'est pas fini. Hein. Il y a encore des trucs qui doivent venir. Alors, vous voyez, c'est un tout petit bout. Hein. Et là, il n'est pas fini, le point arrière. Non. Donc, pareil, le point arrière, il y a du point arrière un fil, du point arrière deux fils. Mais non, quoi, je me suis foutue. En plus, je l'ai fait. Alors, au début, je me disais ça allait être bien, mais alors, c'est bien. Pour les croix, les demi-croix, l'Aïda, il n'y a pas de problème. Mais pour le point arrière, l'Aïda, si vous devez piquer au milieu d'une croix ou quoi, c'est wow, c'est compliqué. Donc là, moi, je brode avec une aiguille boule. Je vais sortir une deuxième aiguille pour le point arrière. Je vais prendre une aiguille pointue parce que là, avec, c'est pour ça que j'ai galéré avec le point arrière parce qu'à l'aiguille boule, pardon, c'est impossible là, sur l'Aïda, sur quand il faut piquer dans les croix et tout. Donc, je vais prendre une aiguille pointue, ça va aller beaucoup mieux. Mais je pensais pas que ça allait être autant prise de tête. Je vous jure, je pensais pas. Je pense que cette broderie-là, malgré qu'elle est petite, elle fait combien? Alors attendez. Ouais, je vais regarder directement sur Etsy. Alors, pour vous dire le nombre de points qu'elle fait. Fait, ti, 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 ti. Voilà. Allez. Alors, c'est de Mia Stitch ce modèle. Ah, détail de la, voilà. Détail, en savoir plus. Voilà, ça y est, je l'ai. Alors, elle fait 196 points sur 137. Donc, si on le ferait sur une Aïda 14 fils, donc une 5-5, ça ferait 35, bon, on va dire 36 sur 25 cm. Moi, c'est une Aïda 8, donc ce sera plus petit. Mais il y a quand même 28 couleurs. Il va y avoir, ah oui, il va y avoir des mélanges de couleurs. Donc, ça va être bien aussi. Mais là, j'en ai pas encore eu. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Il manquerait plus que ça. Mais je pense pas avoir fait d'erreur. Open. Open. Alors.
là. Sais pas où ils sont. Tout, 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 tout. Alors, les points de croix, les voilà. Ben, je ne les ai pas sur mon demi-croix. Ah si, voilà, je les ai. Ah, c'est pour des demi-croix qu'il y a des mélanges de couleurs. Ok. Donc, et en point de croix, il n'y en a pas. Il y a des mélanges de couleurs juste pour les demi-croix. Voilà. Il y en a deux. Voilà. Il y a deux symboles avec des mélanges de couleurs. Et point arrière. Non, point arrière, c'est. Alors, j'ai que deux couleurs. Enfin, c'est pas le blanc, vraiment le blanc là, vous savez, c'est le 38-65. C'est un peu le blanc cassé, moi, comme je dis. Et le 310. Alors, le blanc cassé, on va l'avoir en deux fils. Et le 310, on a des fois un fil et des fois deux fils. Voilà. Mais, alors, attendez que je vous montre ça. Alors, non, pas là, je veux pas ça. Je veux les. Voilà. Bon, c'est pas grave, j'y arrive pas. Je vais vous montrer juste un petit bout de la grille. Voilà. Voyez. Bon, je vous dis voyez, mais je ne vous l'ai pas encore montré. Voyez. Rien que vous voyez le point arrière. Là. Alors, quand les points sont comme ça, bah, c'est que du demi. Voilà. Là, ça va être des points de croix. Voilà. Au secours! Au secours! J'ai cru voir un robinet! C'est rien, c'est la broderie, elle me rend folle. Donc, voilà. Alors. Comme il y a de la demi-croix, qu'il y a de la croix, qu'il y a du point arrière, en tout, niveau point. Niveau point, j'ai fait 476 points sur cette journée-là. Mais en sachant que j'ai fait 169,5 points arrière. J'ai fait 131 croix entières, donc, et j'ai fait 520 demi-croix. Voilà. Demi-croix, ça compte pour un demi-point. Voilà, c'est pour ça que je n'ai que 476 points, alors qu'en tout, j'en ai fait 709. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est un peu plus compliqué à calculer, mais là je vous dis, moi avec le Cross-Stitch Saga, c'est nickel cette application, je l'adore. Si toutes les grilles pouvaient passer sur Saga, ce serait superbe. Je suis donc à 6,31 pour 100. Voilà, donc voilà ma petite avancée, mais qui m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. J'ai fait ça jeudi. Bah, j'ai fait que ça. En broderie, je n'ai fait que ça sur la journée. Mais bon, je pense que je vais avancer plus vite. Là, déjà, je vous dis, le point arrière, je vais changer d'aiguille. Je vais prendre une aiguille pointue, fine et pointue. Parce que là, non, l'aiguille boule, c'est nickel pour faire les points. Mais pour le point arrière, non. Excusez-moi. Pourtant, il n'est pas tard. Hein. J'ai commencé de bonne heure aujourd'hui. Chouchou est parti faire dodo à 8h. Enfin, à 20h. Du coup, j'ai pu commencer ma vidéo avant.
Il était fatigué aussi. Alors, oui, je suis là. Aujourd'hui, il y avait la troisième étape du sal que j'organise en partenariat avec Sabine de Poussière d'Étoiles. Donc aujourd'hui, c'était la troisième partie. Oh, quelqu'un a envie de m'embrasser. La troisième partie du sal, donc c'est l'ABC automne. Alors, la fois d'avant, j'avais tout fait en une fois, mais je l'avais fait un dimanche, je crois. Là, non, j'ai juste avancé. J'ai fini le renard. Voilà, oups, mes fils. J'ai fini le petit renard. Voilà, donc le reste est là, hein. La partie 1, la partie 2. Et donc après, bon, le plus gros morceau, c'était ça, hein, c'était le renard. Donc lui, il est fini. Alors, la touche d'Élite, bien sûr, hein, elle est sur chaque broderie. C'est-à-dire qu'il y a toujours une erreur. Mon renard est raccourci d'Aran. Mais bon. En marchant vite, ça se voit pas. Et voilà, ça a été. Ouais, donc il lui manque un rang là, ici en bas, mais ça va, ça se voit pas. J'ai même pas eu besoin de bidouiller parce que c'est quand j'ai fini mon renard, j'ai dit tiens, il lui manque un petit bout, mais il manque juste un rang, donc ça va, ça restera comme ça. Voilà, donc là il me reste des lettres à faire. Et puis quoi? Il me reste des lettres, il me reste une petite fleur, une botte, un écureuil et des petites feuilles. Voilà, pour finir la partie 3. Voilà. Donc là, on a jusqu'au... C'est moi qui l'organise, c'est moi qui sais plus. C'est pas possible, je dois avoir Alzheimer, hein. Excusez-moi, faut que je vous le montre. C'est sur mon groupe. Il y en a une qui a partagé ça. Voilà, c'est une vidéo qu'elle a dû trouver sur Instagram. Alors, attendez. Regardez. Je rigole, mais ça m'arriverait, moi. Je crois que je vois rouge. Oh là 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 là, le carnage avec les pelotes de laine. Oh, les pauvres. En plus, il a l'air malheureux, le pauvre toutou. Il dit, je vais me faire engueuler. Bon, c'est pas ça que j'étais en train de voir. Ah là là. Donc, j'ai dit qu'on le brodait jusqu'à... Jusqu'au... Bon, il est où mon poste? Ah, voilà. Jusqu'au 7 décembre. Et donc, le 7 décembre, on aura la dernière partie du sal. Voilà. Donc, voilà, monsieur Renard, il est fait. Bon, le reste sera fini cette semaine, hein, malgré que j'ai 15 jours pour le faire. Là, c'est une toute petite broderie, hein. C'est une toute petite broderie, donc il n'y a pas de problème. Donc là, l'ABC, alors ce petit renard, il était fait à moitié, hein. Donc j'ai fait l'autre moitié. J'ai quand même fait 385 croix pour cette petite moitié de renard. En tout, j'ai brodé 1700. 59 croix et j'en suis à 54,70%. Ensuite, oui. Alors là, j'avais hésité aujourd'hui aussi. Je savais pas si j'allais faire celui-là, mais ça fait longtemps que je l'ai commencé et ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dessus. Donc, comme la roue l'avait tiré au sort,
C'est mon tigre de Lucas. Il est trop beau, trop, trop beau. Alors, petite particularité. Alors, on y a plusieurs à le faire, mais là, on ne se suit pas à dire, bon, aujourd'hui, on fait autant de croix. Voilà. Là, on le fait comme on veut. La seule chose qu'on fait toutes pareilles, c'est qu'on ne va pas broder le blanc là, vous voyez. Voilà, le blanc, on ne va pas le broder. Si vous voulez, on va laisser juste ce qui est en aquarelle, ça on va le broder, mais le reste qui est là autour, on ne le brode pas. Voilà. Donc, il est fait sur une toile étamine. 16 fils, ouais, une étamine 16 fils, comment on appelle ça, qui brille. Oh, c'est une catastrophe aujourd'hui à ma tête. Opalescente, c'est ça. Enfin, je sais que les Québécoises, elles disent opalescente. Bon, à paillettes, voilà, vous avez compris. Donc, voilà où j'en suis. Bon, il est assez costaud aussi à faire. J'aimerais bien aussi pouvoir en mettre le PDF dans mes applications. Ça m'arrangerait bien. Parce que bah, il est costaud à faire quand même, à suivre. Donc là, j'ai fait 300 croix. Donc j'ai fait ça là en bas. Tout ça ici en bas. Donc ça fait 300 croix. Pourquoi j'ai repris là? Alors que là, c'est commencé. Bah parce que là, j'arrivais pas à me retrouver. Alors j'ai dit, t'embête pas, tu reprends de l'autre côté, après tu reviendras là, ça ira tout seul. Donc voilà, vous voyez la toile? Ah bah là, on voit bien. Non, mais sinon, c'est chouette. Il va être très, très beau. Il va être très, très beau. Alors, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose de fait. Hein. Il n'y avait que ça de fait. Hein. J'avais déjà commencé sur une autre toile auparavant. Je sais plus ce qui s'était passé. Pourquoi j'ai changé de toile? Ah oui, j'avais fait plein d'erreurs. J'avais fait des erreurs et du coup j'étais partie en vrille et donc j'ai préféré changer de toile. Ma toile, je l'ai toujours, il faut que je démonte ce que j'avais fait et j'ai recommencé sur une autre toile. J'avais fait sur une toile à Sabine, la poussière d'étoile. Mais là, c'est du lin. Voilà. Mais oui, c'est déjà très joli. Alors là, je ne sais pas où je suis exactement. Je sais pas. Je vais être dans le mur. Ouais, je suis là-haut. Attendez. Où suis-je? J'arrive pas à me repérer là pour l'instant. Ah, oui, là. Oui, ça y est. Je suis là, ici. Donc, j'ai fait là, un petit peu là, et je suis descendue là. Ouais, là, voilà. Et là, je repars par là. Voilà, je suis à cet endroit-là. C'est ça, hein? Ouais. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand c'est le début, on ne voit pas trop où on est. Mais donc voilà. Donc celui-là, j'aimerais bien l'avoir en. Je crois l'avoir en PDF. Mais ouais, je crois que j'avais fait sur le PDF. Mais je voudrais le PDF que je puisse mettre sur Saga. Ou sur Pattern Keeper.
je préférerais Saga. Donc, si quelqu'un peut m'aider pour que je puisse le, avant que j'ai trop avancé dessus, si quelqu'un peut m'aider pour que je puisse avoir le modèle en Saga ou en PDF, mais que je peux mettre dans les logiciels directement, dans Pattern Keeper ou dans Krusty Saga, vous me sauveriez la vie. J'avancerai plus vite. Vrai que quand on travaille sur papier, là j'ai bon là j'ai photocopié par contre. Voilà comment je suis moi sur avec mon tigre. Je suis... Ouais, là, voilà. bon, pour une fois, je travaille case par case, hein. C'est rare chez moi. Parce que moi, je suis plutôt du style. Je m'éclate. Là, je travaille case par case. Voilà. Vous voyez, même mes fils en parking, je les note comme ça, mes fils en parking. Je fais des petits ronds rouges. Et dès que, alors, je le fais avec avec celui-là, le stylo friction. Ça fait que quand j'utilise mon fil qui est en parking, hop, je gomme. Donc c'est pareil, c'est super long à faire comme ça en papier. Alors si quelqu'un peut m'aider pour que je l'ai sur Pattern Keeper ou de préférence sur Saga, parce que il y a aussi pas mal de points arrière, vous voyez, pour les moustaches, tout ça, ça m'arrangerait bien. Je comprends pas qu'ils mettent pas directement. On achète le kit et puis voilà, on vous donne le PDF comme Sabine elle fait. Mais toutes les marques ne le font pas. Donc voilà. Alors, on n'a pas fini, hein, je vous rassure. J'ai encore deux. Alors attendez, j'en ai encore combien? Celle-là. Celle-là, je vous l'ai montrée. J'en ai encore deux à vous montrer, mais c'est les deux grandes. Je fais juste une pause de 2 minutes et encore juste pour ranger ben, tout ce que je viens de vous montrer. Comme ça, j'ai de la place. Et en même temps, je vais boire un petit coup, un petit thé pêche parce que soit soif. J'ai oublié de me préparer un verre, donc voilà. Donc, mais pour vous, ça ne change rien. Vous me retrouvez tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai bu mon petit verre de thé, ça va mieux. Il me reste à vous montrer deux HAED sur lesquels j'ai travaillé cette semaine. Le premier, c'est mon HAED du mercredi et la roue m'avait tiré au sort mon paysage. Donc, je vous remontre en image. Hop, je vais vous le remontrer en image. J'adore le faire. J'aime beaucoup parce que il avance bien maintenant. On commence à bien voir les dessins, ce qui va se. Non, c'est pas là, bien sûr. Ah bah si, c'est là. Voilà. Donc, c'est le Hayden Harbor, voilà, de Andy Russell. Le voici. Donc, bon, certains commencent à peut-être à voir un peu plus cette image parce que malheureusement, elle a été copiée sur les boutiques chinoises. Mais donc, voilà, moi, bien sûr, je fais l'original. Et je l'aime beaucoup. Alors, je suis dans cette partie-là, ici. Donc, il y a encore du taf, hein, bien sûr. Et donc, voilà où j'en suis. Alors, j'ai beaucoup travaillé cette semaine ici,
sur le ciel, enfin les nuages là qui sont jaune, orange, clair. Et j'ai retravaillé un petit peu sur mes montagnes. Et là, j'ai continué à avancer la partie ici. Donc celle-là, je vais vous montrer où c'est, je regarde. Ouais. Donc c'est... il y a là, toi. Voilà, c'est là. C'est... alors, je vais vous l'agrandir pour qu'on voit mieux. Voilà, donc les montagnes sont là. Et moi, là, ici. Le vert qui est là. Donc, je voudrais bien pouvoir commencer à descendre pour faire cette première maison là. Vous voyez, celle-ci. J'ai envie que cette première maison se voit. Oups là. Donc voilà où j'en suis ici. Donc le ciel n'est pas fini, hein, il reste encore un bout hein, là, à faire, bien sûr. Les montagnes, pareil, hein, mais. Et voilà. J'aimerais bien arriver sur cette première petite maison. Ce serait sympa. Allez, remets-toi bien. Alors, ce modèle-là, en plus, c'était Chouchou qui l'avait choisi. Non, mais il est vraiment top. Les couleurs, tout, c'est vraiment superbe. Alors, je le fais sur une toile étamine 12,6 fils. Voilà. Vraiment, j'essaye de vous montrer de près. J'espère que ça floute pas trop. Voilà. Et chouette, je l'aime beaucoup. Bon, j'espère la finir avant d'être vieille, hein, mais. Mais il y a encore du taf pour vous dire. Là, j'ai fait. Par contre, je suis contente. Alors là, j'ai fait 677 croix. C'est pas énorme. Sur une journée, c'est pas énorme. Mais j'ai dépassé les 10 000 croix. Alors là, je suis contente. Je suis à 10 445 croix. Mais il y a en tout, il y a quand même encore du boulot. Je suis à 7,73%. Et en tout, il y a... donc là, je suis à 10 445, mais en tout, il y a 135 150 croix à faire. Donc, il y a encore du boulot. Là, maintenant, mon objectif, ce serait d'arriver au 10%. Ce serait pas mal. Mais 10%, c'est qu'il faut encore faire... il faut encore faire combien? 3... ouais, 3000, 3000, 3100 croix. Pour arriver au 10%. C'est encore un petit peu... mais j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est chouette. Quand on va commencer à voir les maisons, ça va être tip-top, là. Bon, là, de toute façon, parce qu'en plus, bon, il y a de la toile encore. Hein, vous voyez, bon, je n'ai pas tout déplié, mais il y a encore beaucoup de toile. Donc, mais je me dis, le jour où je l'aurai fini, comment je vais l'encadrer? C'est ça le problème, c'est comment je vais l'encadrer. À moins d'aller chez un encadreur qui va me coûter la peau des fesses, comme on dit. Donc voilà, donc ben, je trouve que j'ai pas beaucoup avancé, j'aurais pu faire plus, hein, mais je vous dis, cette semaine, ça a été ouf, petite semaine. Il y a des semaines comme ça.
Ça ira mieux la semaine prochaine, peut-être. Ah oui, et puis si, c'est pourquoi on a eu encore. Ah oui, non, je sais. C'est quand? Bon, c'est dans la semaine, je sais plus quand. Chouchou va. Ah, il y a ma lumière qui clignote. Va à un rendez-vous médical, je crois. Et il revient, il me dit, il y a un voyant qui s'est allumé sur la voiture. Je suis hop, purée. Donc on a regardé sur le petit livret là, qu'est-ce que ça pouvait être. Et puis on a vu les trucs. Attention, si ça s'allume, faut tout de suite aller au garage et tout. Super. Donc heureusement notre garagiste il est ici. Et le garagiste est venu. Alors attendez, donc il a demandé à mon mari d'aller au garage. Il a dit je vais garder la voiture pour regarder parce que c'est un voyant qui s'allume, mais il peut y avoir différentes pannes, vous savez, plusieurs pannes. Il dit il faut absolument que je la regarde. Il dit il ne pouvait pas dire ça comme ça. Et donc. Ce qu'il a en plus ce jour-là, il pleuvait, mis à torrent. Donc le garagiste, il me dit, je vous ramène chez vous. Donc il a ramené Chouchou à la maison. Et il dit, on va regarder, on fait le devis et je vous rappelle dans la matinée, c'était au matin. Il dit, je vous rappelle dans 1 heure ou 2. Il nous a rappelé, il nous a dit ce que c'était. Alors, c'était une sonde. Ouais, c'était une sonde qui était morte. Et cette sonde-là, si on aurait continué à rouler avec, ça aurait pu soit mettre le feu à la voiture ou soit péter le moteur. Voilà. Donc, une voiture brûlée, on en a déjà une hein, sur l'autoroute. Donc, deux, non. Et du coup, il a réparé tout de suite. Ben, presque 400 euros de réparation. Hein. On avait mis des petits sous de côté pour les fêtes, tout ça. Puis si on avait un truc entre deux, ben, ce qu'on a mis de côté, ben, c'est parti. Voilà. Mais bon, il fallait bien faire réparer la voiture. Donc ça aussi, ça nous a un peu tout cassé. Donc voilà, c'est une raison de plus cette semaine pourquoi j'ai pas beaucoup bossé non plus sur mes broderies. Mais bon, la voiture est réparée. Là maintenant, elle a le contrôle technique en janvier. On va croiser les doigts qu'il n'y ait rien, que tout va bien. Et là, même le garagiste avait dit, il dit de toute façon, avec le contrôle technique, elle ne serait pas passée, la voiture. Donc, super. Mais là, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il fallait réparer. Hein. Je n'avais pas envie de casser le moteur cassé, bah, voiture morte. Hein. Et voiture brûlée, hein. Voilà. Donc, mais bon, c'est une voiture qu'on leur a achetée d'occasion. Mais qui a toujours été entretenu par ce garage-là. C'était un petit vieux qui l'avait avant. Et donc, la voiture était nickel, nickel, nickel. Hein. Donc, mais bon, une panne, ça arrive. Hein. Donc, on ne peut rien y faire. Mais du coup, les petits sous qu'on avait mis de côté, ben. Hop, a pu. En fin d'année, comme ça, c'est super. Ouais, chouette. Et en parlant de chouette, je vous montre mon hibou. Vous avez vu la transition professionnelle? Waouh! Mon petit HAED, le hibou, que j'appelle le hibou du savoir, je vais quand même vous donner le nom hein, parce que. Alors, petit hibou, où es-tu? Tu es là. Voilà. Je vais vous le montrer en même temps. Je vous remontre la broderie après. Donc, c'est. Le oui, c'est pour ça que je sais pas le dire, que je retiens pas.
Le Knowledge is power. Donc, le hibou du savoir, hein, on va rester là-dessus. Et donc, le voici. Fifi, ça y est, réveillez mes mères. Donc, le voilà, le voici. Il est tout beau. C'est un modèle de Malcolm Watson. J'aime beaucoup ces modèles. Bon, t'as essayé? J'aime beaucoup ces modèles. Là, c'est une édition limitée, donc il n'est plus en vente. Il a été en vente pendant un mois sur le site HAED. Peut-être qu'un jour, il remettra en vente définitivement, hein, mais là, pour l'instant, non. Donc voilà. Si vous aimez bien Malcolm Watson, il y a eu des nouveautés cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Par contre, je ne sais plus si le site est encore en promo. Il y est très régulièrement en ce moment. Je ne sais pas. Je vais vous le dire comme ça, vous saurez si vous pouvez y dépenser des sous. Alors. Voilà. Ah, allez. Tic, 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 tic. Là, voilà. Là. Bon, on va cliquer sur n'importe lequel. Hein, c'est pareil. C'est juste pour voir si c'est encore en promo. Oui, les filles. Allez sur le site HAED. Tout est à 50%. Non, moi, j'y vais pas. J'achète plus de HAED. Mais je vous dis ça pour vous. Donc voilà, ouais, tout est à 50% encore. Ah, ça y est, ça se lève pour le PIP. Juste une seconde, je montre ça, puis on y va. Donc voilà, alors là, on le fait en trio avec Ludovic et Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. Hop, voilà, et là. Il a son premier œil, vous voyez, il est chouette, hein, mon petit hibou. Oui, maman, elle arrive. Donc, oui, j'arrive, 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 j'arrive. Donc, on fait 300 croix par semaine. Voilà, pour l'instant, on reste là-dessus. On verra après si on augmente ou pas. Bon, pour l'instant, pour le reste de l'année, on va rester sur 300 croix. Bah parce que bah, les fins d'année, des fois on a un peu moins de temps. Bon, c'est pas mon cas, mais je parle surtout pour Amélie et Ludovic, hein, peut-être qu'ils auront un peu moins de temps en décembre. Voilà, mais donc pour l'instant, on reste sur 300 croix par semaine, ce qui fait que là on en a fait déjà 1200, soit 1,92%. Voilà. Je vous montre également, je vais vous montrer là, où j'ai mis, là. Je vais vous montrer où on est. Ah oui, non, Amélie, je ne peux pas vous le montrer cette semaine. Alors, parce que le petit gang des Québécoises sont partis se faire un petit week-end entre filles pour broder pendant le week-end dans un petit chalet. Et du coup, Amélie n'a pas eu le temps cette semaine de broder, mais elle va rattraper la semaine prochaine, qu'elle nous a dit. Donc, je vais juste vous montrer où en est Ludovic. Voilà. Lui, il a commencé par le coin en bas à droite, si je ne me trompe pas. Voilà. Là, on commence. Bon, lui, il est beaucoup dans le noir. Mais moi, j'ai voulu. Moi et Amélie, on a commencé par le milieu. On voulait voir la tête du hibou en premier. Et je suis pas du tout déçue. Donc voilà, bah écoutez, niveau broderie, c'est tout. On se fait une petite pause pipi, hein, pour les petits poilus.
et on se retrouve tout de suite. Voilà. Et je vais vous dire, il fait un froid de canard dehors. On a un vent pas possible. Là, il commence à pleuvoir. Ils sont partis tous les deux dans mon fauteuil. Là. Bon, j'espère que ma lumière va pas s'éteindre. Si elle s'éteint, ben, je m'excuse, hein. On aura un petit peu moins de luminosité, mais bon, les broderies sont passées, donc c'est moins grave. Le challenge des 3000 croix sur la semaine, est-ce que je l'ai fait ou pas? Alors, malgré que j'ai fait une petite semaine, j'y en a une que je ne vous ai pas montré de broderie. Ah mince, je ne vous l'ai pas montré. Attendez. J'ai travaillé un petit peu sur mon estampé. Oui, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Hein. Non? Enfin, pas aujourd'hui, mais... J'ai terminé ma feuille qui est ici. Voilà, je l'ai finie. Je suis contente. Là, je vais essayer de finir celle-là. Voilà, c'est la plus grosse. Je vais essayer de la terminer. Donc, un petit peu à la fois, ça avance. Hein, mais celle-là, je ne suis pas du tout pressée. Hein. Là, bon, là, c'est fait. Là, c'est fait. Donc, celle-là, 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 elle est faite. Celle-là, elle est faite à moitié. Là, ici, elle est faite à moitié également. Il faudrait que je la termine. Voilà. Donc. Voilà ce qu'il y a derrière. Alors, je vous rappelle que ce qui est en vert, ça, je ne vais pas le faire tout de suite parce que ça va être du blanc. Et vu à l'allure où je la brode, si je fais le blanc en même temps, ça va être tout sale. Donc, le blanc, je le ferai vraiment en dernier. Voilà. Donc, vous voyez, la feuille qui est ici, ici, elle sera faite en dernier parce que c'est blanc. Là, pareil. Donc voilà, celle-là j'avais oublié de vous la montrer. J'ai fait une centaine de croix pour finir la feuille. 100, 150. Ah non, ouais, donc 200. J'ai fait 200. Ça va. Donc, voilà, c'est chose réparée. Bah, du coup, oui, mais je le marquerai plus tard. Mon challenge des 3000 croix par semaine, bah écoutez, ça va. Malgré que je n'ai pas fait beaucoup, j'ai brodé pour 4821 croix. Voilà. Bon, le mois n'est pas terminé. La semaine prochaine, on finira le mois. Ah bah, le mois se terminera le 30. Donc, c'est bon, le samedi 30. Donc, je pourrais vous dire le nombre de croix que j'ai fait sur le mois. Qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Oui, n'oubliez pas qu'il y a une vidéo sur ma chaîne où je vous explique comment le nouveau sal va se dérouler. Donc, c'est le sal La Ferme Météo 2025. C'est une broderie, une grille, pardon, que j'ai entièrement dessinée moi-même. Donc, n'hésitez pas à aller revoir sur ma chaîne. Alors, je sais plus qu'est-ce que j'ai mis la vidéo. Hop. Ben, il y a 2 jours. Non, quand vous regarderez la vidéo, ça fera 3 jours, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais donner cette semaine la grille sur mon groupe. Mais si vous n'avez pas Facebook, comme je vous ai dit, avec le vent maintenant, je suis tout les... je pourrais vous l'envoyer par email si vous le souhaitez. Ensuite, j'avais fait une vidéo sur mes broderies oubliées, si vous vous rappelez. Voilà, j'avais fait ça il y a 2 semaines, il y a une quinzaine de jours. Mes broderies oubliées et abandonnées. Je vous avais montré deux broderies que
deux grandes broderies, des samplers que j'avais un petit peu abandonnées. C'était la broderie de Manu Créa et une broderie que, pareil, que j'avais dessinée. Et je vous avais demandé de choisir laquelle vous voulez que je ressorte. Alors, je ne vais pas la ressortir ce mois-ci, hein. Je vais voir ça. Soit je vais la ressortir le mois prochain, mais ou alors je la ressortirai en janvier. Voilà. Je pense que je la reprendrai sur mes aiguilles au mois de janvier. Donc vous avez choisi ma broderie perso. Voilà. Donc du coup, ben, je ferai celle-là. Donc c'est un grand sampleur. Je reprendrai celle-là, mais en janvier. Voilà. Alors merci d'avoir donné votre avis. Bon, la Manucréa, je la continuerai aussi, je la reprendrai. Mais du coup, je vais d'abord finir celle-là. Et je prendrai par la suite la Manucréa que je veux finir également, bien entendu. Ensuite, je vous ai montré aussi cette semaine. C'est quand je vous ai montré ça? Il y a 4 jours, 4-5 jours, mes gris et broderies de Lily Point. Et je vous avais demandé, pareil, de choisir une broderie pour savoir laquelle j'allais reprendre, pas reprendre, mais que j'allais commencer. Donc, pareil, je commencerai ça certainement au mois de janvier. Là, on va laisser finir l'année, hein. Tranquillou. Eh bien, vous avez choisi la brioche parisienne. Alors, la brioche parisienne a eu 18 votes. Les madeleines, 14. 14 votes. Les cookies, 12 votes. La pâtisserie, 11 votes. Gaspacho, 2. Bon, c'est pas ma préférée d'ailleurs, donc c'est pas grave. Mais donc, j'attaquerai donc ma brioche parisienne, mais je la commencerai au mois de janvier également. Voilà, donc on verra le temps que ça prendra pour la faire, hein, mais de toute façon, j'aurai terminé mes deux autres Lily Point, donc ça me permettra de commencer ma brioche. Je vais, alors il faut que je voie avec parce que Céline voulait qu'on recommence un Lily Point pareil en janvier. Donc elle m'avait parlé de la grille du café. Donc je vais voir si on fait celle-là ou si on en choisit une dans les nouvelles. Je verrai avec elle. Sinon, ce sera certainement la broderie du café. On verra. Et je vous en reparlerai à ce moment-là. Ce ne sera pas avant le mois de janvier non plus, de toute façon. Donc voilà. Alors, on va faire le tirage au sort. Et après, je vous dirai ce que j'ai regardé sur YouTube. Mais je vous dis, cette semaine, je n'ai pas beaucoup regardé. Hop. Alors, il y aura bien sûr mes obligatoires. Donc dans les obligatoires, il y aura le sampler 124. Ah oui, celui-là, je ne voulais pas montrer cette semaine parce que je ne sais plus pourquoi. Ah si, Sonia n'a pas pu le broder cette semaine. Bah, c'est pareil, elle est aussi à son week-end avec les copines du Québec. Donc, mais je crois que oui, la semaine dernière, elle avait eu un souci, il lui manquait du fil. Donc, elle avait été chercher le fil, donc elle a rattrapé la semaine dernière. Et elle m'avait demandé si on pouvait sauter une semaine pour qu'elle se remette à jour. Donc, j'ai dit OK. Donc, je n'ai pas brodé le sampler 124 cette semaine. Donc, on le reprendra pour cette semaine qui arrive. Donc, dans les obligatoires, il y aura donc le sampler 124 que je vais faire avec Sonia. Il y a le Black Rose. All Forest que je fais avec Letty, le Star Dragon, All Forest également que je ferai avec Letty aussi. Je ne vous ai pas montré non plus aujourd'hui parce que ben, je n'ai pas travaillé dessus cette semaine, mais l'étape dure un mois, donc je n'ai pas de retard.
pour le sale anniversaire que j'organise, donc sur le sampler 251. Mais j'ai encore jusqu'au 12 novembre, enfin 11-12 novembre pour broder ma petite partie. Donc il n'y a pas de souci, je serai à jour. Et je ferai le tirage au sort donc de la prochaine case le 12 décembre. Dans mes obligatoires, j'aurai aussi donc le lily.cha que je fais avec Céline, mon hibou du savoir, le HAED que je fais avec Ludovic et Amélie, et à titre personnel, j'aurai mon lily.infirmière. Voilà. On va tirer au sort maintenant mon HAED du mercredi. Donc HAED, vous savez que j'en ai trois. Un qui n'est pas un vrai HAED, c'est ma steampunk. Et sinon, j'ai le paysage et la japonaise qui, eux, sont des vrais HAED. La steampunk, c'est comme un HAED, c'est une couverture totale, c'est une grande broderie. Donc je la considère comme un HAED. Donc on va voir mercredi, qu'est-ce que je vais faire? Oh ben non, encore le paysage. Eh ben, ce sera encore le paysage. Hein. La roue a choisi, la roue a choisi. Hein. Bon, si la semaine prochaine elle me ressort le paysage, là, on changera. Hop. Le paysage. Vous savez que je vais arriver aux 2 heures de vidéo hein, quand même. Je suis tellement pipelette. Allez, on va tirer au sort les broderies. Donc, je vais en tirer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va en tirer 7. Et on verra bien combien j'en ai. Combien j'arriverai à en faire. Alors là, j'ai remis ma roue à zéro. Vous savez que là, cette semaine, je vais tirer au sort des broderies. Mais je ne la remettrai pas à zéro tout de suite parce que pour que la semaine prochaine, les autres broderies aient une chance d'être brodées également. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, si on tombe sur l'achat des paysages, bien sûr, on refera un tirage. Ah, Languedoc Sampler. Oui, c'est aussi un obligatoire, mais pas trop obligatoire. Donc, alors, le long dog. Je n'ai pas travaillé dessus cette semaine, justement. Voilà. Hop, on le cache. Ah, le tigre. Bon, c'est pas grave, hein. Il faut qu'ils avancent de toute façon. Un petit automne quaker? Oh non. Ah bah le hibou. Je vais faire la même chose que cette semaine. Automne quick. Oh non. Ça a changé. L'aquarium de l'UKS. Un cheveu. Ben, pourquoi j'arrive pas à le mettre de côté l'aquarium? Oh. Ah, bon, c'est pas grave. L'orchidée. Donc l'orchidée, c'est un lanart. Ah tiens, les floralies. Ça fait un moment que j'ai pas brodé dessus. Floralie. Donc ça, c'est jardin privé.
le cœur aquarelle. Je vous dis, je vais faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ben, j'en avais 17, hein, c'est ça? Oui. Bon, ben, j'ai mes 7. Voilà. Donc, je laisse tel quel, comme ça, la semaine prochaine, les broderies qui restent auront une chance d'être tirées au sort. Sauf que Aquarium, ben, j'ai pas réussi à le... Bon, c'est pas grave. On sait qu'Aquarium, je l'aurais déjà fait cette semaine. Alors, maintenant, dans tout ça, laquelle faire en broderie de la broderie du lundi? Alors là, j'avais déjà fait le hibou. L'orchidée. C'est une petite broderie. Bon, elle n'est pas encore avancée énorme, mais c'est pas une grosse broderie. Donc, on va faire l'orchidée de chez Lanart. Voilà. Alors, on a... je vous rappelle, dans les obligatoires, le Sampler 124, le Black Rose, le Star Dragon. Ah, ben ça y est, ma lampe s'est éteinte. Désolée, hein, il y aura un peu moins de luminosité. Le Star Dragon, le Sampler 251, le Lily Point Chat, le Hibou du Savoir, mon Lily Point Infirmière. Et ensuite, le Long Dog Sampler, le Tigre, le Hibou, l'Aquarium de la Nart. De l'UKS, pardon, mon orchidée de la Nart, mes floralies de jardin privé et mon cœur aquarelle, donc le miastiche. Et le tigre, c'est un l'UKS. Et le long dog, ben, ça c'est long dog, si on pleure, vous le savez. Le HAED du mercredi, donc ce sera le paysage, et la broderie du lundi, ce sera mon orchidée. Voilà. Joli programme. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé de beau cette semaine sur YouTube? Pouf, 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 pouf. Allez, oh là là. Voilà, ici. Alors, j'ai des trucs qui se sont mis que j'ai pas regardé. Alors, j'ai vu que... Alors, moi, je vais pas l'acheter. Hein. J'ai une bonne machine à coudre. J'ai une Singer, donc... Action a sorti... alors, j'ai pas encore regardé les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos, top ou flop, pour savoir si... comment... Si c'est la machine à coudre que Action vend, eh bien, j'ai des doutes, mais bon. J'ai des doutes. Alors, voilà, je crois que je suis à jour. Donc, on va démarrer à dimanche dernier. J'ai regardé le Floustube numéro 8 de Diamant Rose, donc de Sonia. Toujours très bien. La pauvre était, elle est comme moi, elle a plein de broderies. Mais j'aime toujours regarder autant son Floustube. J'ai regardé la vidéo de Sabine, la chaîne Sabrode. 50 minutes de petite croix avec de nouveaux duos, nouveaux projets, des idées d'éco-broderie. Voilà, pareil, hein, on n'en a jamais assez. j'ai regardé le Floustube numéro 3 de Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread. Voilà, sa chaîne n'est pas très, très vieille, hein, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner. Pour la découvrir, c'est toujours autant, j'aime toujours autant. Voilà, j'ai regardé la vidéo de Kiki la petite brodeuse qui a dépensé ses sous sur Dream Stitch.
Donc, elle nous a fait un petit haul pour montrer. J'ai regardé la vidéo d'Amélie de Dazzling et Diamant, le Flosstube neuf, avec un whip d'octobre et novembre. Toujours nickel, hein, ma petite Amélie. Bisous, bisous. Bisous, bisous aussi, hein, Geneviève et Sonia. Hein. Je vous oublie pas. Hein. J'ai regardé la vidéo de Danicine. Elle a fait un vlog sur plusieurs jours. Hein, donc, un vlog loisirs créatifs, le numéro 22. Il y avait du DP, il y avait des amigurumis, il y avait de la broderie, il y avait comment ça s'appelle? Des maquettes, voilà. Donc elle nous a montré tout ce qu'elle a fait sur la semaine, donc en plusieurs jours. J'ai regardé le Floustube de Mélissa, la chaîne Diamant Folie. Mélissa, c'est pas possible, mais tu veux pas changer de prénom? Tu veux pas t'appeler Mélissa? Hein? Mélanie? Ça m'arrangerait que tu t'appelles Mélissa. Me trompe pas, hein? Oh, je regarde sur mon petit mémo. Oui, non, c'est ça. Mais pourquoi j'arrête pas de t'appeler Mélissa? Mélissa, nanana. Non, c'est une chanson française hein, où il y a. Je crois que c'est Mélissa, hein, le titre. Oui. J'ai pété un câble. Bon, alors, si tu veux bien changer de prénom, ça m'arrangerait. Donc, j'ai regardé son Floustube numéro 8, novembre 2024. Les passions de Passy, j'ai regardé un déballage de partenariat qu'elle a fait avec la boutique Outdoor Tide. Donc, elle montrait la broderie européenne, là, vous savez, la très très grande, là, voilà. J'ai regardé la vidéo de non, pas toi, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un truc que je cherchais, donc non. Ah oui, là, c'est la première fois que je regarde cette chaîne. Sur sa vignette, elle avait l'air très sympathique. Donc j'ai dit, bah, je vais regarder sa chaîne, je vais regarder sa vidéo. Et je n'ai pas été déçue. C'est la vidéo, la vie, la, oh, la chaîne de Silou M. Podcast tricot et point de croix. Donc elle nous a montré ses tricots de pulls, de chaussettes et des points de croix. J'ai bien tout aimé. Malgré que je serais incapable de faire les tricots qu'elle fait, mais bon, j'aime bien regarder. Et donc, c'est la première fois que je regardais et j'ai beaucoup aimé. Donc, du coup, je me suis abonnée. Et j'ai regardé. Alors, j'ai pas fini de la regarder. J'ai regardé ça tout à l'heure et donc je finirai tout à l'heure de la regarder, enfin, dimanche. J'ai regardé le Floustube numéro 6, une nouvelle organisation s'impose de. Tu peux. Merci. Geekmaker Stitch. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Geekmaker Stitch. Je crois qu'elle s'appelle Manon. Si tu passes sur ma chaîne, corrige-moi. Si... Bon, Fifi, excuse-moi, mais. corrige-moi si je me suis trompée. Mais j'ai bien aimé. Alors, j'adore la broderie qu'elle a fait. Je ne sais plus le nom. Mais avec un énorme dragon et puis une femme. Oh, que c'est beau. C'est beau. donc voilà. Bon, vous voyez, j'ai pas regardé grand-chose cette semaine. Mais bon, je n'ai regardé que de la qualité.
Alors, moi, sur ma chaîne, cette semaine, qu'est-ce que vous avez pu voir? Est-ce que j'ai fait des shorts? Je ne sais plus si j'ai fait des shorts. Ouais, celui-là, je crois, l'encadrement du DP Betty Boop. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? La présentation des box broderie papeterie donc de la boutique Poussière d'Étoile. Lundi, j'ai fait un unboxing avec la boutique VIP Cross Stitch. Maigri et mes broderies Lily Point et venez me donner votre avis. Voilà, donc ça vous l'avez fait. Le tirage au sort pour gagner l'aimant à aiguille de Fifi de Poussière d'Étoile. J'ai fait un tout petit haul Temu pour un diamond painting. Alors, je vous ai fait le haul il y a 2 jours. Donc là, bon, moi, là où je vous parle, c'est samedi. Donc ça fait vendredi. Je vous ai fait le haul jeudi. On est samedi. Chouchou a fait le DP. Il est fini. Il est au mur. Alors, est-ce que je vais savoir vous montrer? Voilà. Voilà. Attendez. J'essaye. Voilà. Ah, j'y arrive pas. Attendez, je me déplace. Ce sera mieux. Alors, est-ce que j'arrive? Voilà. Bruce Lee. Oh, c'est difficile de montrer à l'envers. Voilà. Eh ben, il l'a fini. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai fait également la vidéo donc pour le salle La Ferme Météo 2025 où je vous explique tout. Et aujourd'hui, donc samedi, vous avez eu le tag où j'avais été taguée par Armelle de la chaîne Les Passions de Mamounette, je crois. Oui, ça doit être ça. Le tag Apprendre à se connaître, donc la partie 1. Il y aura une partie 2 dans la semaine. Voilà. Bon, j'ai pas fait énormément de vidéos non plus cette semaine, je trouve. Mais bon, je vous dis, comme quand on est patraque, on ne peut pas tout faire. Voilà. 1h53. Je suis contente. Et il n'est que 22h30. Je suis encore plus contente. Allez. On va terminer par le tricot. Alors, là, pareil, je suis contente. Bon, pas fini, mais je suis contente. Hop, je vais mettre ça à l'endroit, hein, quand même. Hop, voilà. Je suis désolée, hein, il n'y a plus assez de luminosité. Mes manches, voilà. Bon, sont toutes les deux à la même longueur. Hein, parce que... voilà, les manches de mon pull fil d'art, le pull à trou-trou, là, sur le plastron. Il ne me reste plus qu'à faire une seule augmentation, à tricoter 18 rangs, et il me reste... 3, 4 ans, peut-être 5, je sais plus, et ce sera fini. Donc pour faire l'épaule. Je suis contente. Alors, je sais pas si cette semaine, la semaine prochaine, je vous montrerai terminé. J'espère. Mais là, vraiment, il ne me reste plus grand-chose. Donc là, cette semaine, j'ai tricoté 18 rangs. Voilà. Là, j'ai fait 18 rangs. Voilà, j'étais là. Hop, j'ai fait tout ça. J'ai bien travaillé. Hein. Ah oui, là, j'arrive à la fin. Il faut que ça se termine.
Voilà, je suis contente, contente, contente. Suis encore plus contente que tu seras complètement terminée et cousue. Alors, en tricot, en tricot, c'est tout. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je vais vous montrer. Je veux votre avis. Il est où? Vous allez voir qu'il n'est pas dans ce sac-là. Non, attendez, je prends l'autre sac. Voilà. J'allais m'asseoir à côté. Bon, du coup, celui-là, je peux le ranger. Hop, voilà. Je veux votre avis. Je vous ai montré la semaine dernière, enfin, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, le dos. J'avais terminé le dos. Voilà. On dirait la serpillière du Père Noël est une ordure. Mais je l'avais mis devant moi et pourtant, je l'ai rallongé hein, déjà. J'ai rallongé de 14 cm. Mais j'ai l'impression qu'il est encore trop court. Et c'est vrai qu'il y a une de mes abonnées qui me disait il manque 10 cm. Et je suis d'accord avec elle, il manque 10 cm. Alors, j'ai envie. Dites-moi ce que, à votre avis. Là, ça va, il y a, voyez, les emmanchures. Voilà. C'est droit, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien. Donc, c'est pas compliqué. J'ai envie de reprendre donc au bord de l'épaule, là. Je vais passer mon aiguille et j'ai envie de démonter ce que j'avais fait pour la finition et de retricoter 10 cm. J'ai envie de faire ça parce que s'il est trop court, je le mettrai pas. Et puis, de toute façon, bon, Chouchou, il s'en fout, hein. Enfin, il s'en fout. Non, il fait quand même attention que j'ai pas l'air ridicule dans un vêtement. Il va me le dire aussi. Il va me dire, ton pull est trop court, ça fait pas beau, et il aura raison. Donc. Est-ce que je le reprends? Donc, je passe mon aiguille, hein, hop, je démonte ce qui a été fait pour faire les épaules et le col, et je retricote 10 cm. Parce que, ouais, non, c'est court. C'est court. Si je refais 10 cm, ça va faire ça. Et ça. Je vous dis, je l'ai rallongé de 14. Hein. Alors, je ne vous dis pas hein, comment c'est court, normalement, ce modèle-là. Hein. Voilà. Comme le devant, j'ai pour ainsi dire, vous voyez, il n'y a rien de commencé. Donc, quitte à que je passe ça sur un fil ou sur une autre, ou je prends des autres aiguilles et puis c'est tout. Hein. Sauf que, du coup, j'aurais pas assez de laine. Je vais en recommander. Donc moi, c'est celle-là. La Flocon de Bergère de France. Voilà. C'est la couleur hussard. Là, il y a le Black Friday, je crois. Je vais regarder. Bergère de France. Allez. Allez. Alors, Bergère de France. Oh là, il y a le Black Friday aussi sur Filda, mais j'ai eu un code de réduction pour mon anniversaire et j'ai envie de commander les derniers bouquins de Filda. Je les ai vus, ils sont chouettes. Alors, Bergère de France, le voilà.
Est-ce qu'il y a le Black Friday dessus? Bon, s'il n'est pas, c'est pas grave, hein, mais du coup, je suis obligée de reprendre. Mais alors, est-ce que comme j'ai déjà augmenté de 14 cm, j'ai pas calculé combien de laine ça m'avait pris. Alors, fil et accessoires et livres à moins 50%. Oh, il y a des magazines à 1 euro. Oh, oh, il y a des magazines à 1 euro. C'est jusqu'au 2 janvier. Black Friday, non. Ah non, c'est jusqu'au 8 décembre. Le Black Friday. Et après, il y a 20% sur la commande jusqu'au 2 janvier. Ouh. Oui, donc on était là-dessus. Je vais regarder si elle est en promo, hein, on ne sait jamais. Flocon. Flocon. Ça va? Je vous embête pas. Je papote, hein, ça avance. On a dépassé les 2 heures. Allez! Non, je veux. Voilà. Hop. Est-ce qu'elle est en promo? Je crois pas. Ah, je fais des conneries, mais alors. Voilà. Non, elle n'est pas en promo. Bon, c'est pas grave. Mais est-ce que j'en reprends une ou deux? Parce qu'il y aura. Du coup, ça me fera 24 cm en tout devant, mais il y aura derrière. Mais il y aura aussi 24 cm devant. Donc 24 et 24, bon, on va dire ça fait 50 cm de tricot en plus. Ça. Une pelote, ça fait 158 mètres. Je vais reprendre deux. Ouais, je vais plutôt en prendre deux pour être sûr. Ouais, je pense qu'il y aura assez. Hop, dans le panier. Après, je vais regarder les revues à 1 euro. Je vais regarder si. Voilà. Donc, ouais, donnez-moi votre avis. Mais je crois que ouais, 10 cm en plus, ça lui fera pas de mal parce que c'est vraiment. Je trouve que c'est court. Ah, je regrette. Bon, il est beau, hein, la laine est belle et tout. Mais je regrette d'avoir pris un modèle court, puis de devoir le bidouiller pour qu'il soit bien à ma taille. Voilà. Et comme j'avais déjà dit, hein, maintenant les modèles, je sais pas, ils pensent pas que il n'y a pas que des femmes fines, bien faites, qui peuvent mettre des pulls courts et tout. Il y a nous aussi, quoi. Voilà, on peut pas mettre des pulls en dessous des seins, hein. Voilà. Pensez aux personnes bah, qui ont des rondeurs, aux personnes qui ont de l'âge aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont de l'âge qui vont pas mettre non plus des pulls courts. Voilà. Voilà, quand les enfants, ils sont moches. Mais bon. Alors voilà pour les pulls. Et j'ai avancé un petit peu la couverture. Monique, j'ai avancé un peu la couverture. voilà, donc c'est la couverture météo 2023. Hop, 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 hop. Bon, j'ai avancé un petit peu. Fait 4 ans. Pas énorme, hein. Mais ah, j'avais pas mis si j'avais hop, j'ai fait 4 ans. C'est parce qu'il s'est ouvert le truc. Voilà, et voilà, pas beaucoup, hein. Mais bon, il y a 200 mailles, hein. Donc c'est long à faire quand même. 200 mailles, donc voilà. J'ai hâte qu'elle soit finie aussi, celle-là. Il faut que je termine des choses. Il faut que je. De l'air, de l'air.
Alors, j'ai encore, oui, j'avais dit que je vous ferai une vidéo pour mon pull camionneur Bergère de France. Bon, j'ai encore regardé, j'y comprends toujours rien, ça me gave parce que j'arrive pas à finir le devant. Le dos est fait, bien sûr, j'arrive pas à terminer le devant. Les manches ont commencé et bah, je vous avais expliqué, je suis coincée. Je suis complètement à l'ouest pour les augmentations sur le devant et j'y arrive pas. Il n'y a pas moyen. Je vais finir par voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me le finir parce que ça m'énerve que le pull reste dans un sac et que je n'arrive pas à le finir. J'arrive pas à comprendre. Pourtant, je suis pas con, hein. Mais j'arrive pas à comprendre comment faire mes augmentations sur ce foutu pull. C'est un pull camionneur. Oui, ça continue. Je vais finir par voir qui pourrait me le finir. Il n'y a pas quelqu'un qui me regarde, qui peut me finir mon pull. Hein? parce que là, franchement, j'arrive pas. Donc voilà, bon, la couverture. Ben, à l'avance. Donc là, je suis arrivée je suis en train de faire le 22 novembre. Donc, il me reste le décembre. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jours en novembre et le mois de décembre. Donc, ça me fait 38 jours. Multiplié par 2, 76. Il me reste 76 rangs à faire. Voilà. Bon, ben, on a fini. Allez, je rangerai ça après. On a terminé. Ben, écoutez, j'ai essayé, j'ai dépassé mes 2 heures. Je suis contente. J'ai quand même réussi, malgré que j'ai pas beaucoup bossé cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée hein, pour la fin de la vidéo, il n'y avait plus de luminosité, il n'y avait plus de batterie dans ma lampe. Ouais, du coup, je vais vite jeter un œil sur Bergère de France. Je vais regarder ça de plus près. Je vais prendre donc 2 pelotes en plus. Je vais refaire, enfin, je vais pas refaire, je vais reprendre pour rallonger de 10 cm. Je pense que ce sera le mieux à faire. Donc voilà. Ouais. Et je pense que pareil, au niveau des côtés, je ne vais pas coudre les côtés entièrement. Vous savez, je pense que je vais jusqu'au-dessus des côtes. Je vais commencer à coudre, mais au-dessus des côtes, je pense. Pour que ce soit pas trop serré au niveau des hanches. Voilà. Je vais le bitonner. Bon, de toute façon, je suis pas encore prêt de le coudre. Hein, il n'est pas fini. Mais je vais m'arranger comme ça pour. Ce serait vraiment dommage que je vais pas tout refaire. Ça n'est pas question. Parce qu'en plus, de toute façon, refaire la laine, elle serait morte. Hein. Déjà là, le petit morceau que je vais démonter. Je pense pas que je pourrais récupérer la laine. Comme c'est une laine duveteuse, ça s'accroche, ça fait des nœuds hein, une fois qu'on les tricote. Donc voilà. Non, mais je vais reprendre 2 pelotes pour être bien sûr. Et puis voilà. Et là, fil d'art, faut que je regarde jusqu'à quand mon bon de réduction en anniversaire. J'ai 20%. Mon bon anniversaire, jusqu'à quand il est bon, il est valable plutôt. Voilà. Allez, je vous laisse maintenant. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et on se retrouve. Alors, mettez-moi plein de commentaires. Si vous avez des questions, allez-y. Si vous voulez répondre à mes questions aussi, allez-y. Mettez-moi des petits pouces
Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.